Lundi 5 janvier 2010, l'école de parapente Twister propose un concours aux hôtes de Vercorin où il s'agit d'estimer à quelle distance d'une cible de 1 mètre de diamètre le meilleur des pilotes va atterrir. Le gagnant se verra offrir un vol en parapente biplace. Le premier pilote à tenter la cible n'est autre que le président du parapente club, Lolo, qui rate la cible de très peu, 90 cm. Le candidat suivant n'est autre qu'Antoine Lambert. Alors, va-t-il faire mieux? Il est pas mal. Eh non, il est trop long. Arrive ensuite Yves, dit Abricot. Et lui, il est trop court. Et pour finir, Xavier, dit Crevette, qui est un peu trop court. Et voilà, on plie vite les ailes et direction le Margueron pour un vin chaud offert par le patron et découvrir la gagnante qui est Charlize Albacini. Félicitations!